pense qu'il m'a donné l'idée, l'envie d'ouvrir un bar à chat, tout simplement. C'était le tout premier qui a ouvert sur Paris. J'ai trouvé ça juste magnifique de passer toutes mes journées avec des chats et la clientèle, le relationnel, j'adore ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Étant la première en plus dans le Var, on pouvait pas être à 100% sûr voilà, que l'idée plaise. Je voulais vraiment essayer de m'implanter sur Hyères pour pouvoir offrir ça aux Hyérois et toutes les villes qui sont aux alentours, qu'on partage tous ça ensemble. Au niveau clientèle, sincèrement, j'ai un petit peu de tout, de tous les âges, plus quand même féminine, mais j'ai des hommes qui viennent nous voir quand même. Je viens maintenant depuis 2 ans à l'Instant Chat. Je viens y chercher un moment de tranquillité, quelques petits ronrons. Et puis surtout, on a un accueil extrêmement chaleureux de la part de Valentine. Ça fait partie aussi du charme de cet endroit. Ils sont donc tous ici à l'adoption, mis à part Aubry. Je l'ai adopté et c'est le patron des lieux, ce qui permet aussi que ça fasse un petit pilier pour les petits nouveaux. Tous les chats qui sont en photo juste derrière moi sont ceux qui sont passés par le café et qui ont déjà été adoptés. Et à l'heure actuelle, on est à 171 adoptions. Je suis en partenariat principalement avec l'association Les Amis de l'Arche de Noé et l'autre c'est les chats de la Presqu'île qui est plus sur Hyères. N'hésitez pas à venir nous rendre visite du coup à l'Instant Chat, que ce soit pour vos envies du midi, le déjeuner, comme on peut voir juste derrière vous, ou pour en goûter. Toutes les règles sont déjà respectées, les chats n'ont pas accès à la cuisine. On vous attend nombreux avec grand plaisir.